Bonjour, aujourd'hui nous allons manger un dessert, cake, pommes, bananes, moelleux. Pour 10 personnes, 55 minutes. Voici les ingrédients. 75 g de beurre, 2 œufs, un sachet de levure chimique, 125 g de sucre, 250 g de farine, 2 bananes, 2 pommes. Pour commencer, mélangez tous les ingrédients dans l'ordre. Mettez dans sa saladier le beurre fondu, comme ça. Voilà. Mettre le sucre dans le beurre. Mélanger un peu au fouet, comme ceci. Mettre les deux œufs dans le sucre et le beurre, puis mélanger. Maintenant, mettre la farine petit à petit. On la met en deux fois, comme ceci. La deuxième moitié est là. Remuez bien, comme ceci. La pâte est comme ça. Mettre la deuxième moitié de farine dans la pâte et remuez bien. Et rajoutez la levure chimique en même temps. Voici la pâte finie. Maintenant, mettre les fruits, éplucher les bananes et les couper en petits morceaux, et éplucher les pommes et les vider et les couper en petits morceaux et les ajouter dans la pâte et mélanger bien. Voici les bananes et les pommes coupées en morceaux, mélangez bien à la pâte. Voici la pâte mélangée avec les fruits. Maintenant, prendre un moule à cake et le beurrer et le fariner et mettre la préparation dedans. Voici la préparation dans le moule à cake. Mettre à four thermostat 6 ou 180, environ 40 minutes à 1 heure selon votre four. Regardez de temps en temps si ça crame pas et plantez un couteau au milieu pour voir si c'est cuit. Je vous montrerai la fin après quand il est cuit. Laissez-le cuire 40 minutes à 1 heure selon votre four à 180. Voici le cake au banane et pommes finies. Bon appétit à tous. C'est vrai qu'il est un tout petit peu cramé un petit peu là, mais c'est rien. Je l'ôtais un petit peu avec le couteau et ça va aller. Bon appétit à tous.